Félix et Tshisekedi azali ko bongisa ordonnance pona ko benga na ba généraux mususu a komi ko se sentir en danger depuis sortie médiatique il y a John Numbi. Donc Félix et Tshisekedi a ko luka siko na ngambo na ye a kende ko soa protection même à solo la na minde la pesa bango nyonso ko ki ko pesa bango pou kaka abate la oyo ezali pouvoir. Makambo John Numbi a lobi ba kozwa ngo sérieux. Maintenant, ko tali sabato, so ki projet moko ezali contre yo et sengelo ye ba kosala makambo autre. So ki awa na gauche obebisi et sengelo ozala na ba allié. Oyo ya makasi o ba kosunga yo pour épargner, pour être épargné. Parce que papa Kabila zaki koloba ngo azala ki non orange. Le problème ya o ezali ba po. Ya ko bebisa o ezali akoro bo signa ko biso tozali ko maîtriser te. Il ne faut pas venir chercher le peuple comme allié. Il faut d'abord qu'on explique na peuple likambango ezali nini peuple a comprendre pour kaya ko s'associer na yo. Selon quelques sources Félix et Tshisekedi azali ko bongisa bongo oyo ba bengi ordonnance pona ko sala ko chasser ba généraux mususu. Donc il est pas ça ko finga ko tonya son Macron Joe Biden ba fingi ba Russe ba fingi mokili mokili. Na allié na bango Kagame ba fingi. Soko ah na so pe sa bino kaka moi vidéo. Les gens bazali na projet par rapport à vos accords. O biso ko yebite to ko metisete o signaki ni tozu Kagame. Qu'est-ce que Félix et Tshisekedi a signé avec Kagame to yebite. Makambo nyonso Félix et Tshisekedi a outi ko signé. Signé ka ko consciemment ou inconsciemment, parce que c'est une honte. C'est une honte, mes frères. Ma mission TV, le miroir du monde. Azamoto azo considéré Congo neti moine ou yaboti. Azamoto azo considéré Congo neti moine ou yaboti. Il n'est pas très à l'aise tango azo mona ba makambo ezako lekawana. Eza makambo ya créete, eza makambo akutaki. Na koki koloba makambo nyonso awate, na yebi détermination azanango na likambo wana. Puisque na frekantaka ye, na yokaka ye, denge souci azanango. Ce n'est pas à travers le micro de Top Congo, non, je dois avoir le comportement d'un homme d'État. C'est ce qui est plus important pour moi. J'ai appris aussi à vivre avec l'attitude des hommes d'État, puisque nous avons la responsabilité où ils ont permettre de faire n'importe quelle déclaration. Mais il y a un chef de l'État où il y a un fréquent, il se sentira président de la République réellement, ce qui a silici problème, il y a insécurité dans l'est du pays. Il y a quelques 3 ou 4 mois, il y a aussi sa mandat. Est-ce qu'il se sent toujours président de la République? Est-ce qu'il se sent réellement président de la République? Parce que situation est silitée et du coup tout bas proportion inquiétante dans l'est du pays, les lots au Zoloboué, Routchourou, Massissi, bas territoire, il y a Nord qui vous allez sous occupation. Est-ce que chef de l'État, Bino Batoubokotoakae, Azali, vous se sentir réellement président de la République comme il l'avait dit autrefois? Bon, n'a évité ceux qui tendent au président de la République à l'Obaki que n'a qu'on se sentir à l'aise, ceux qui guerrent à l'est et sud. Après ça, Bino, timing que. Après 6 mois, on a causé sa guerre à l'est, à l'obaki en côté. Et puis, à l'obélimino en gros, na dernier mandat n'a été. Puisque tel qu'il est là, la constitution lui donne encore la possibilité, y'a qu'on se représente. Y'a en gros qui n'a joué, n'a outil qu'on a ébandé l'émission, donc, regardons l'essentiel.
total à intérêt privé na bisoté. Mande ko balandi ya ma mission TV bolandi wana de ko Augustin Kabuya akangami na plateau ya télévision et nangambo na ye akotata bana possibilité à ko répondre ko zarate journaliste moté mama be journaliste azalaka amité ato ko lesa ye sale le nyon so azalaka amité soki alali ala muki un bon matin arokene na ko pesa o yi esengeli a pesa comme question. Boyo ki déjà elobeli ya Augustin Kabuya. Volume komi ko kita mwa moke pour la président sortant. Je vous signale qu'à ce moment, monsieur Mouyaya est en direct sur la RTNC na briefing press. Teme na ye a biso to ko zela likambo a John Numbi. Toyo ka réaction ya gouvernement congolais ko zala nini malobi a sali. Point de presse o ya lelo focus on va signaler en la carte il y a titre na bango focus sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle par le gouvernement ninge to koloba likambo il y a santé universelle pour ça les cas donc mouya ya na moko to zali koloba oleba ya ba ko talisa biso likambo ya makambo John Numbi a lobby. Concernant l'accord, pour te dire que ba yebi conscience et qu'on reproche bango. Ba kokende ko koma, et si comme on a IDPS na gouvernement na bango ba taliban, ba zanga ko répondre na makambo nyoso e koleka. Mais tant qu'on kota la ke porte-parole ya gouvernement, a kei ko banda, koleka na télévision, mais a lobby, a ye na ye pour na likambo santé universelle, mise en œuvre ya santé universelle. Naibika ke na ba journaliste a moins que ba pesa bango mot d'ordre ya ko tout na question te mais ba journaliste professionnel o bazawana o ba moni lo lenge video wana za ki relayer même na ba chaîne internationale ba presse internationale ba ko kende ko répondre ko poser question na mouya ya mokolo alelo nga na ko zela na tala question wana na journaliste wana ne na ko betele maboko na ko loba ke azali elo. Selon quelques sources, Félix Tshisekedi azali kobongisa bongo oyo babengi ordonnance pona kosala ko chasser ba généraux mosusu. Félix Tshisekedi ordonnance en cours de téléchargement pona ko chasser ba généraux mosusu. Selon quelques sources, Félix Tshisekedi azali kobongisa ordonnance pona ko bengala ba généraux mosusu. A komi ko se sentir en danger depuis sortie médiatique ya John Numbi. Et awa Félix et tu sais ali sérieux. Tant mon lokolo bala bino même batinde linga une petite vidéo on a coaché la bino ya moko ya bato Félix et tu sais ke di ba ko luka ko bate la we zali sécurité ya chef de l'état balobi tala même mokolo yo Félix et tu sais ke di aki na boulevard ba immeuble nyon su ezala kana boulevard ba kenaki koti atia ba soldat kuna ba JR ba kené ko kota na kati ya banda kwa bato mataki wana kuna ko luka ko protéger un seul homme Félix et tu sais qu'il dit par rapport ya makambo o union so ezali bongo koleka oyo ya yeba ki déjà mais biso de tri pati donc ti même ozaki ko luka ke déclaration na ya j'écraserai ya mbujima inde na zoluka ya François j'écraserai zaki ya mbujima ekimi na koluka ngo ekoyate donc Félix et Tshisekedi a koluka siko na ngambo na ye akende kozwa protection même à solola na mindela pesa bango nyonso akoki ko pesa bango pour kaka abatela oyo ezali pouvoir na mande ko bon like video na ti la bino video moko awa bon like video na ina ti la bino video moko awa bon like video na ti la bino video moko awa pour la ko interpeller bande ko ya IDPS mande ko ya IDPS na lingina interpeller bino na video.
Une vidéo. Voilà, je m'attaquerai. Rolikiawa, merci beaucoup. Je m'attaquerai. Ake na Belgique à lobby, j'écraserai. Et awa toko loba, toko tuna suko e kole kandengeni. Eaka motuna. Kako boko landa, Augustin Kabuya. Langage na e boko constaté que comme kolobo, non, je dois quand même avoir une attitude d'un homme d'État parce qu'on m'a fait beaucoup de reproches. Tako to ebi saki bino ke Kabuya, azara, moi moke, boloba kini. Boya ki a ko commenter, ko finga, ko, ye moko aza ko reconnaître. Qui a sali ba dérapage ebele na communication na yi. Félix Tshisekedi ake na ko gangé la yi. Ye wana leke lobi ono, il faut manda ko zwa attitude ya homme d'état. Homme d'état na fonctionne ni. Ya secrétaire général, ya parti politique. O komi déjà homme d'état ngo. OK. C'est bon alors. Si ko ye homme d'état, avant zwa attitude ya homme d'état, boko ka siko ngobila. Bogota les sangas sigo entre Ngobila na Kabuya na Nyanzali homme d'état. Tozui Ngobila, Kabuya, Félix et tu sais que Bogota les langues différence. Et entre-temps, na reproposé bino peto yoka ba discours. Ben oui, c'est très important. Toyoka ba pour na bango ya mokolo ba déposa ki candidature. Bogota pe sanga pe différence ya ba candidat. Tokoyoka Martin Fayulu, tokoyoka Félix qui tokoyoka Denis Mukwege, tokoyoka ya une dame de l'Est, tokoyoka pe ba pasteur balobi nzambe mutiba. Mais na kozo ki sera bino pe voir moko, un pasteur à l'époque na 2018, à l'éca dans une chaîne de la place, sur une chaîne de la place à l'Obi. Ki nzambe moto atindiye. Et ye moto akoko ma président de la République na 2018, soki na komi président de la République. Et tu sais que là, il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Mais il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Ce qui est un peu de temps, tu aies un peu de temps. Pour que pasteur Ngalasi, Théodore, Kalamini, tu aies un peu de temps. Tu aies un peu de justice. Tu aies un peu de temps. Tu aies un peu de temps. Alors, awa toko solo la, makambona. Mais je vais d'abord interpeller les gens de Nid de Pes. Les gens de l'île de Pesce, ceux qui ont créé dans les réseaux sociaux, Nyonso, au Bazali, qui ont commenté les Kamboa Félix et Tshisekedi. Même dans la vidéo, au Bazali, qui ont ça là, mon Kamboa John Lumbi à l'objet, bah, pour jouer au sérieux. Pourquoi n'a pas le banabango qui est singé, pour jouer au sérieux? Parce que vous voyez, il y a des deals pour ça là, qui. Bah, vidéo, Ezali, bah, document, Ezali. Na kei siko yo na papa Kabila. Papa Kabila le père. Voyez na Congo na kobenga na ni Mobutu. Azwa ki alié na yepe Kagame. Mais tant mo babeba na kina Kagame. Le Museveni et tout batonyo so ya grand lac wana nos voisins. Oh ba konvoata ka ba bien na ba richesse na biso. Papa Kabila le père. Kwazala qui a envie. A kobeta li solobi, linga pa bomaye. Mande konanga. La communauté internationale est intervenante. Après qu'ils étaient informés, ba intervenante. Parce que il semble que yepe azala ki na mwa ba accord na bango. Et asala ki, oh Félix, tu sais que di a kousa. Koloba, na koloba yango par rapport ya makambo eleka ki na papa na papa Kabila te, mena kotali sabato, so ki proje moko ezali kontre yo, esengelo ye bakosa la makambo autrement. So ki awa na gauche yo bebisi, esengelo yo zala na ba alie, o ya makasi, o bakosunga yo, pour épargner, pour être épargné na makambo kenda komunikasi. Parce que papa Kabila zaki koloba yango azala ki nono anji. Batope bazaki pemene ba ndeko ebisa e jamais batambwe mwamba bazaki wana bako ebisa e jamais makambo ndenge wana ko kota te lokuta tala kutu mais na kotiela bino video yango boyoka le problème ya o ezali ba projet ya ko bebisa o ezali akoro bo signa to biso tozali ko maîtriser te il ne faut pas venir chercher le peuple comme allié.
Il faut d'abord qu'on explique na peuple li kambango ezali nini, peuple à comprendre pour kaya ko s'associer na yo. Il faut aller chercher le genre de l'opposition. Le ko ndeko Martin Fayulu, ndeko na biso ya société civile de nous ko ke obozali déjà ko finga même. Moïse Katumbi wana nyonso pour que bon ça la bloc. Ya bato yo balingi penza ko défendre. Malheureusement avec l'IDPS ce n'est pas le cas. Avec l'IDPS, c'est sûr, na moto nyonso. Donc IDPS a kofinga moto nyonso. Macron, Joe Biden, bafingi ba Russe, bafingi mokili mobimba. Na alié na bango Kagame, bafingi ye. Siko na so pesa bino kaka moi vidéo. Le gens bazali na projet par rapport à vos accords au bisoto yebite to ko maîtriser te au signaki ni tozui Kagame. Qu'est-ce que Félix et Tshisekedi a signé avec Kagame to yebite to rejoindre nous cette vidéo pack à la délégation de ministres des affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort, on lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutiste avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mine. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient le droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, ce n'est pas possible. Le droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Voilà. Si qu'on t'a yébi makamboyo, parce que Félix, tu sais qu'il dit, a outi na opposition. A yébi makamboyo. Mais na moment on a koloba, toza kaka, communauté internationale, tale la biso li kamboyo. Communauté internationale, tozo zelo sanctionné Kagame. Koloba na bino, je viens d'avoir une information. Que l'un de secrétaires général nommé récemment Kagame, a outi kotinda motonaï, ou a outi konome, yati la quelques jours. Je dois revoir cette information là. Ma tanga kiango a passant comme il y a Rwanda, na rograpena ou me la likolo na yango te souina Monica a déjà ma kambo bache kombo a Rwanda, na zara déjà moi traumatisé. Na tangi karake, na kati ya ONU, pardon, na moni na ONU, ba outi kotia, moko ya ba secrétaire na bango kuna, batindi. Moko ya moto a Kagame a outi ko kende kuna ba outi ko nome mais biso to vandi na ngabo c'est la ONU wana asala quelque chose pour na biso to ko c'est la MONUSCO asala quelque chose pour na biso yango na obi makambo mosusu na vie ezaka coïncidence c'était ces messieurs dénoncés mais avant de dénoncer a ki ba allié na avant longwa bango a kende ko mona tango mosusu bato mosusu il a préféré dénoncer, être ouvert avec le peuple congolais, et bon, yé, mi, le peuple congolais, qui n'a pas bengana, ba, rwande,
na mboka na biso. Peuple congolais azwa ki makambona na maboko, bakeyi ko bengana ye. Kokoma na pouvoir na 2 ans. To mona ki changement, c'est-à-dire congolais nenga alingaka, azalaka déjà na changement de mentalité te ezan moi en cours de téléchargement, ya ki na fimbu. On a voulu dire ça peuple congolais que oh les singeli bossala oh bokoki ko sala te. Bande konanga na babus to koma ki na difficulté. Ya ko mona lisu moto a tel receveur a tel mi libanda. Et lelo ye na ngambo na ye. A yebike azala ki na ba Rwanda. Mais a se décidé ki a tel mi a baluki contre bango ba beta bango masasi ba benga bango. Et bakabona wana, moi j'ai perdu ma grande sœur. J'ai perdu une grande sœur. Quand on dit wana bayaki, ils ont eu beaucoup de nos sœurs. Et naroki ma wana grande sœur na biso préféra a kené na mobali na ya Rwanda pour faire la ananji. Je ne sais pas ce qui n'a dit, ce qui n'a province. Na kor to ko ko récupérer. Donc ce qui peuple congolais a télémi. Qui a téléma? Qui s'abattent wana akola ki sabango lokwa ba wazale ndo ba télémi. Mais lingi au gouvernement za ko arrêter bango ko stopper bango et ko la ki sa lolengi ni to ko avancer penza mingité. C'est là où je retourne maintenant pour la kotuna. Na kati ya ba propos ya ndeko Kabila. Que bato wana bazali na posa ya un président faible. Lelo soki to landi vidéo oyo. N'est-ce pas azala ki na rezo. Moi na wana ya po. Donc moni makambo na lobila ki bino na bi Félix akoya ko fungola bino miso. Nzambe asali ke moi na wana ya po misu nini ba kayo ezaki na misu mabino ekwea. Mission Félix azé na ngwezali misato. Mission ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo sanate retenu 3 missions wana soki to stopeye atante lobby bokomi rappeler que honoré wana ebisaka ki azena 3 missions yango ya accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et j'ai le colomoni, moi, y a Ibi, livré en d'accord, à jour, Luka, qui est en bradé en haut, beaucoup sauter les colonnes, à simbi, et beau plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires, y'a n'a pas beaucoup, bateau, à jour, y'a qu'à aider. Maintenant, j'espère que ce langage-là va disparaître. Pas pour moi, que moto, du nos autres, Luka, beau aider, avait une idée à côté, bah, aider, était. Avait une idée à aider, bah, ouna. Alors, la seule solution, c'est que tu es en train de te plaquer. Voilà. Mais si on aura un atom à l'obama makambu, oyo, bisogno sotozaki ko comprendre. Leno na kotuna motuna. Makambo nyo so Félix et tu sais que dia outi ko signé. Signé ki amo consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est une honte. C'est une honte, mes frères. Comment na ke peuple congolais na telemi akomi ko bunda pona mabele? Armée loyale, loyaliste, ba ebisi bango balobi bino, armée régulière, ba ebisi bango balobi bino bokoyi ko bunda te, bino bo zela non to koyebisa bino kontese boko bunda. Traitons tozo perdre ba congolais. Bande konanga, soki boyoki de paroles oyo, boyoki ko analyser de votre côté aussi, voir ce que ça pourrait bien donner comme réflexion. Kabila était président de la République. Malgré qu'il a dénoncé, ces gens-là ne sont pas restés mains croisées, bras croisés. Pour la Kolobake, non. Mais Félix, tu sais qu'il ne dénonce pas. Il ne dénonce pas. Écoutez bien Félix, tu sais qu'il dit. Parce que vous ne pouvez pas. Awa, papa Kabila a dénoncé. Na Rwanda, na Museveni. Mais Félix, tu sais qu'il dénonce Kagame. Il ne dénonce pas Kagame, mais il dit que le Rwanda, Matiki, Museveni était pas.
Museveni devait même nous dédommager. Félix, tu sais que des lobbies n'ont pas encore tiré caca, c'est bon, tout ça. Bon, on va tirer le lobby après ça, bisous. Bande konanga. Boye bisanga bino. Boye bisanga bino. À qui faire confiance na bateau nyonso. Lelo ba kota lisa boko excuse nga tango la kolobaka mukwe. Parce que ba nubi likambo ya ba étranger. Si nous devons parler des étrangers, ndeko moko abenginga on a parlé pendant 10 minutes. Ce qui vous l'obit au croire, car à Boepo, maman, pourquoi Abima qui a l'obit que, oh non, Moukoué, des fois, à l'étranger. Parce qu'il y a deux personnes qui ont facilité, il y a pour propager bah, fausses informations. Ils ont fait ça aussi avec Martin Fayoulou, ils ont fait ça aussi avec, ils ont fait ça avec beaucoup de Congolais. Et bon, au caméré alors. Donc, ton dit, ma ton nion, so baye bisakabiso, que caméré n'est pas un Congolais. Il est d'une nationalité douteuse. Ton loba bongo. Ton kende koloba pe, oui, bato wana nyonso, bazan a raison ya koloba ke, Félix Tshisekedi a pour collaborer na ba étranger. Ou ya Félix Tshisekedi, si nous devons parler des étrangers, parce que Félix Tshisekedi parle des étrangers. Le ministre des infrastructures, Bouroukoye bisabiso. Mwanga chouchou. Oye. Bah ou mwangane soki à peine capital, soki à peine de mort. Mwanga chouchou. Azanan. Azaki na kasa union sacrée. Parrainé par l'un de fils, il y a Félix et Tshisekedi, il y a Katanga. Il y a Samaloukode. Bino moko boko maka, baba nani. Soki tolobito kende tozo abato nyonso nyonso wana. Baza e koloni. Ndeko kongole, kongole misoga, abakisi mama Mart. Mama Mart. Soki tolobito kende to banga kolobela makamba be etranje. Toro sili sa te. Bon Félix e yu moko tango ba e bisa ki biso pa mama Marie. Ke komo ya niya. Eza kombo e, eza ralamboka na bisote Félix a tomboka. Kolingate o sala, batolikambo o kolingate ba sala e. Félix a kenda ko sala de presse na Côte d'Ivoire. A ko répondre maman Marie. Alobike, nani ambino kolingi ko divise ba Congolais. Pourquoi kolingi ko divise ba Congolais? Par de nia, tolingi to divise ba Congolais. Mais quand il s'agit d'inciter la population, il y a qu'on incite la population à la division, on a tout parlé de division. Ce qui est commis à sujet, il y a Nia, même si il y a Tito Banda, Tito Sili, ça veut dire que c'est Nia qui a posté la carte d'électeur. Même si il y a un Nia, on comme on a dit que c'est bien que Tito Robanda, qu'on a carte d'électeur, Tito Robanda, qu'on a maman Nia a qu'on carte d'électeur. Bon, si bien Kinga, mais le lot a commis wapi. Bon, on a réponse. Si quoi, on a dit un sage à l'oba qui, mon sapi, on a dit que et on a mon sapi, on a dit que mon sapi, on a dit que mon sapi, on a dit que dedans. Donc, yo osé épargner te. Mon sapi, mon sapi mabe. Tu es boyo, quand on dirait yon doza. Mais oyo, yon ko zonga vers yon lobi. Et ça, le quoi bateau, bas côté, le mabalobi. Bibi, wana, elle doit être une Rwandaise, na zolo. Oyo, ko compara, mon an zolo anan. Donc, tant on va kota la ke bato, soke argument et sili, bakoti na likamboya, nationalité. Il faut chercher des arguments. Yamon a zongi la poka le lopou kenem sa bakongole. Na lingi to kende parce que les élections oyo ko kende ko salema malgré ça ya mbilinga bilan zéro ko so nomina kende na bilan bino moko ko monde bilan zéro autant autant ko lobela bilan na ko kende musika te ba député provincial ba lobi na biso bango moko gouvernement lobi ba na 16 milliards
Mais pourquoi ces députés dorment à l'extérieur, Liboso ya Samalukonde? Les 3 jours devant Samalukonde. Pour la consenga, bambongo na bango ba kofuta bangote. Qui est-ce na ba assemblée provinciale? Bon, on peut s'en combo. Et awa siko ba yé wapi, ba yé pa ya chef de l'État, ba ke na oya. Ta la niveau ya soni. Awa na kolo balabino ba député provinciaux oyo. Ba ke yi siko ba wipa ro bandaro la la liboso a oyo. Ba ke pona kolo ka solution. So ki solution yé zwa mite, fachita mwa ro bima bandaro kuta ba mwa ba lalika a liboso ya oya. Et puis awa ba zana kati ya lopango ya Félix ete. Ba zana balabala, les députés provinciaux. Ils sont à l'extérieur. Bah, qu'on loukande, ce qui Félix et tu sais que d'y'a koki koyamba bango. Pour que, bah, qu'en de ko sa vanini, bah, qu'en de ko ye bisaye ke, toko se ngambo on a bisou. Ça, c'est un bilan. Bato, bah, na 16 milliards. Ne bato, bah, qu'on vendi sa va député na bango. Bah, la ti veste, mené, bah, zan, bah, on le lampiaka. Bah, siège, kame, bah, fouta marati. Et ba komi ko marché. Wana ba député ba komi ko marché. Bon bo ye bisanga. To vanda, to bandi ko beta li solo, ya Félix et tu sais qu'il ah, a c'est un député. Batana a grandi rango pour que bo. Ce sont des députés provinciaux. Ba ke li boso ya Félix et tu sais qu'il ba ke ko réclamer mi solo na bango, ba zana oya na momo to ko. Je ne sais jusque là ce qui ba yambi bango ou pas. To ko zo information na ngoto mo souti lobby. Donc, il faut beau fou comme il faut beau belle la roi soleil. Tiba belle la roi soleil. L'homme, ce qui de nini. L'homme qui a créé ce qui la terre et les cieux. Donc, tia le ciel et la terre. Donc, et au comment à niveau moro, ou en anda, ou et ça va beaucoup de sabon, 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 beaucoup de sabon. Tiba mbaka, tiba silisaka, neto rozonga, pour que tu sois. La cité de l'OIA, les députés provinciaux sont à la cité de l'OIA, cette fois-ci pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État parce qu'ils en ont marre. Voici les banderoles des députés qui sont en train de réclamer les mois de juin, juillet, septembre et les arriérés, mois d'avril pour les années antérieures. Il y a encore d'autres mois tels qu'ils ont mentionnés dans les banderoles. Ils sont là, à la cité de l'OIA. Voilà. Président Blanchard, qu'est-ce que vous nous dites? Nous fonctionnons avec un système de tribalisme. Qui n'a pas mis les noms sur la liste? Nous sommes là aujourd'hui, on doit faire entendre nos voix. Les informations. Donc, il y a Rolo Bakou tout exacté. Bino Moro Bozo Landa, Bino Moro Bozo comprendre, Mbana Moro, commentaire à ça là, il qui est levé. Donc, direct, Moutona Moutazu, information à comprendre, Mbana Moro, information facile. Rien à signaler. Donc là, c'est le député provincial. Oh, bah, Télémi Nangam, Mbana Mango, Bako Lela. Mbongo Nabango, Bako Futa Bango. Donc, budget est au bimate. Budget, on va foutre à la banque, on a un budget, il y a l'État. Bango ne va pas sous compte. Bon, on a un peu comme on a un approche à Moutoumou, mais on a un peu de dénoncer. Si on a un peu de dénoncer. Toloba, nini. Tosala, nini. Bino moro boye bisanga.
Où tu as pina salopa? Un enfoiré. Député provincial. Donc qu'est-ce qu'on a Gentiline Ngobila na Godin Poi? Gentiline Ngobila et Godin Poi, basan la ba guerre concernant ba millions au bango ba détourna. Oh moi na mboka, Mike Mukeba azala kako dénoncé. Mike Mukeba a dénoncé. Tellement qu'il était seul. Bangoni on soba député provincial bazaki koluka kozwa mbongo. Na ya ville province à Kinshasa, bazaki koluka kozwa mbongo na sima ya Ngobila parce que Ngobila muto ako ko gérer bango. Au lieu bango ba gérer Ngobila. Ngobila komi ko gérer bango ako pesa bango miso. Peter Kazadi azalaki maître avocat ya Ngobila na kati kuna ya assemblée provinciale mais maître avocat pe ya hôtel de ville. Balobi ba député balielielielielie baké kokota na bêtise ya muneni baké ko defa mituka paya achour ba defi mituka pa abed achour na ngambo na bango baké yiko zo mituka pa abed achour na bambongo nyonso baké na ki ko defa wana na par na bango ba yebeka ki na kontra na bango bazaka na Ngobila Ngobila ko banda ko zomi sela bango mbongo ba yebani pe ba secret ngeza Ngobila lali ya mama atali to tikali ka soki na 3 mois ngana pesa ka bango ka mbongo princesse Véronique na mona oka na ko pesa lisu mbongo bobunda na débrouillez-vous aye komi lika mama na mwana bendana aye za makamba ba pro Congo te Eza makambo ba mwana na mwana benda na ozwi par na yonga pe nazwaki deja par na nga siko ekomi soko epargne akite italio mwana mai batali boye mbongo ezate ifo to futa nyongo échéance nango eko sila wana le 24 octobre nde esengeli ba silisa mbongo ya ba dette ba ki ya mituka tuka ya cher ba 50,000 ba 100,000 bande konanga de Congo bilazaki ko pesa mbongo a changer na emotemo. Koye pa kota la mande komi na suka. Ayebi na mteso ki a kozonga to a kozonga te. Ko kozonga esengeli kozonga su na assemblée provinciale. Gode po ya sali sorti médiatique moko azali ko akize Ngobila koyiba misolo azali na nyongo ya ba banque a defi mbongo ya banque jusqu'à 150 millions. Et Gentiline Ngobila a sengi ba avocat ba kende ko kangisa ye ko porter plainte. Souki wana te bande konanga. Ndeko Gentiline Ngobila bengi si presse congolaise. Équipe nationale ba kitarate ba kiti. Na ko kitana bango boyoka réponse ya Gentiline Ngobila. Boko sa la différence ya ba propos ya Gentiline Ngobila na moto ya République démocratique du Congo. Où est-ce que Félix et Tshisekedi? Des propos, je ne sais pas. On est en analyse dans le lobby, ba propos oyo, na yebite. Pour na yoki, et si nga na lobe la yango, tango na yoki, au gisin kabou ya lobby, likambwa homme d'État. Ce qu'on yé moto a kolo bakaroyo, qu'on répond dans la question, en te poza homme d'État. Ni boni réponse oyo, après toke na ba discours à ba chef d'État, ba futur, président de la République. Bolanda ba propos ya Ngobila, s'il vous plaît. Na soutenir ni Godin Poi, ni Gentiline Ngobila. Godin Poi, ye pe na voye la bino ba vidéo na ye lobby, a komisi église na ye, je ne sais quoi. Bino moro boro mona kaka, ba vidéo. Ye pe kuna na église na ye, azo bina ka, te ya mi yi, ye moro pe na kati. Te ya, Te a mi biti kanyoka. Yepe kuna zo bina binaka. Même sa femme était gênée sur une vidéo là. A tcheka moutoubwe. Différence ni nezali a Godin Poi na Denis Lesi. Kara po de sa ko bina un pétage. Pétage. Différence ka yango wana. Nanenge ya ko yiba na gouvernement. Boyoka ba propos, pardon. So yon amna continue. Gade ya malobe za langa, ivanda haka, boyo kana Ngobila. Nombre 150 millions, et où tu as pina banque ni ni balaksa.
La vie de Ronald qui m'a y a banquier, là, autant la communauté. Abinanga, vraiment, pour faire une telle déclaration, il faut être une ordure de salopard. Une ordure de salopard. Et un enfoiré de sorcier. Parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice. Voilà. Toquer la justice. Oh, on a refondé. Alex, ça bise au place, il y a 150 millions. S'il vous plaît. Les alors, monsieur le maire, il y a Paris. Monsieur le maire, il y a Matongé, na Belgique. Il y a Bruxelles. Oh, monsieur le maire. Na Espagne, na évité. Madrid. Donc, messieurs les maires, il y a Madrid. Parce que Félix, tu sais qu'il y a comparé à la République démocratique du Congo. Na makambo a kolinga kosala na mikili ya poto. Ce que tu vois, ville, province, il y a Kinshasa. Tu as aussi au Madrid. Tu as aussi au Paris. Tu as aussi au Bruxelles. Tu as messieurs le maire. Nombre 150 millions où tu as une banque ni une balax. La vie de Ronald qui m'a y a banquier, autant la communauté. Abinanga, vraiment, pour faire une telle déclaration, il faut être une ordure de salopard. Une ordure de salopard. Et un enfoiré de sorcier. Parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice. Voilà. Toquer la justice. Na refondé. Alex, ça bise au place, il y a 150 millions de dollars. Et puis, il y a un journaliste qui est allé. Il y a un député, il y a l'Assemblée provinciale, il y a un député, il y a la commission, il y a un député, il y a banque, donc, tout songe pour ternir notre image noire, pour saboter notre action, bah, d'avoir fondé ma cambo, Gentiling Gomila, moi na poto, pe patron, entre guillemets, à société, moro Félix, et tu sais qu'il dit pas ça. Mais mouta la l'ex-patron, ya Félix, et tu sais qu'il dit. Na employé na ye. Boye bisanga bino moko. Na kati na bango mi bale. Soki to lobito sa la différence, ya ba propos, bande konanga. Et Félix, et tu sais qu'il de son côté. Un réparateur, le Congo n'est pas une voiture pour réparer un appareil, ce qui donc beaucoup de ba propos ya bato ba ko kamba biso. Là c'est un chef de l'État et de l'autre côté c'est un gouverneur de la ville. Nende ko moka comme lui ça au Hollande ça Amsterdam. Sur Amsterdam na biso, maire na yango yeyo. Bino moko bo sala jugement même. Et à sala déjà déclaration moral obi et sera koti bitumba. Halonga akaka. Donc bino moko bo za suite. DH, abi on y ativa o lobi mukie. C'est bon. Si quoi tokei na débat on a ni na kota bino yaba. Discours, ma premier discours, il y a ma candidat à biso futur, c'est-à-dire de candidat président de la République, tout ça, il y a 24. Il y a président dans un endroit, Awa, dans un Martin Fayoulou, Félix et Tshisekedi, Denis Mukwege, Delice Sanga, il y a Moïse Katumbi, dans un pasteur Ngalassi, une dame, il y a Est, il n'y a pas qui peut postuler. Déposer comme candidat président de la République Naza Pena Nena lo benon nzé na kata restaurant nana mi djubu nana mwanga ingai
Nenga wapi sambo ba plan o nazo na ngo awa ba plan nanga ya restaurant ya lelo nazo na discours ya Pierre Théodore ya de la femme là on a vu si vidéo ya Esther wa uti Esther va bien yoko postuler mais sengeli ba kitisa mbongo wala ba tie pese ebele parce que tozana ba kongolo pe bazan mayele kole quand même bato onyonso ba déposer et ça ba vina e opona e donc na plan nanga ya lelo ya ba va tozana il y a Bidjibu Djibu, Félix Tshisekedi, Mikungu, Martin Fayulu, Made Soaver, Denis Mukwege, Ndeko Nani Tocheni. Hein? Donc voilà. Donc pendant Nani, c'est une question que je vous pose. Voilà. Donc pendant Nani, Nathan Gabino Batonio Sotosana Bango. Donc pendant Félix Tshisekedi, parce qu'il y a Yéza Moulaï. Après, tu as le docteur Mukwege, ou tu as Martin Fayulu, ou tu as le bateau, ou tu as le après, tu as le souci Félix et tu sais qu'il est pour les Amboulaï. Et sa question, na tunibino, c'est à vous de répondre. Tu as le nani? Misili, Mikungu, Kila, Pondo Limbondo, tu as le nani? Et ça, la question. Voilà. Je commence par. Donc voilà, débat est là qui est au bandina, docteur Mukwege, bande de Kotoro, mais la maman qui est au bandina, docteur Mukwege. Voilà. Boyo kaye, discours naye à Liboso Tango Abimaki, à l'obakini, Bolanda. Moi, je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Bon, en fait, ça va point de vue. Il y a différence, il y a acteurs politiques ont déposé candidature na bango na ba discours na bango ya liboso et puis je vais vous partager un secret juste à la fin na vous partager bino secret moko mais si côté boyoka pourquoi maintenant je pense que c'est puisque notre pays va très mal et il va très mal sur plusieurs plans je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Le président de la CENI nous a fait l'honneur de vous recevoir dans son bureau. De quoi avez-vous parlé ? Eh bien, nous avons fait les tours d'horizon par rapport à ces cycles électoraux. Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue. Mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que
Nous, on sait, on a décidé de s'engager dans ces processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Prenante, c'est-à-dire les candidats. Après, docteur Koupré, qui est aujourd'hui Martin Fayoul. Prenante, c'est-à-dire les candidats président de la République. Pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. Je dis au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la droite. De la vérité de Dieu. Donc nous ne savons pas aujourd'hui. Le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué. Il me dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait des nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc, il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc, j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes. Donc, il nous faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il l'a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés et comme ça. Les gens à qui on aura donné les machines chez eux, les gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer les résultats dans les serveurs. Si vous désidératas ne sont pas plus en compte, les désidératas seront plus en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population sait, connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc les jours du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation est. Voilà. Voilà Martin Fayoulou m'a dit. Après le Martin Fayoulou m'a dit aujourd'hui Deli Sesanga. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets. Mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit nous allons faire la gratuité de la scolarité, mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire stop. Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir
restaurer dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les Lualaba, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Touélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer les dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Wana ndeko Delice Sanga, après Delice Sanga tozui Batoya Moïse Katumbi a offert une déclaration. En ce qui concerne le jeu des questions et réponses, il y aura une autre séquence pour cela sur vos plateaux si vous avez la possibilité de nous y inviter. Mais ici, nous ne répondrons à aucune question à l'issue de cette déclaration. Déclaration de Ensemble pour la République à l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours historiques, le mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidature s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de repression. Notre parti pleure encore l'honorable chérubin Okende Seng, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu au sien pour des funérailles dignes. Son martyr ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts, du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage de Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidature. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons de lutte. Voilà, beaucoup excusez-moi, Bango Bazalaki, on dirait deux parties. Je vais ajouter la deuxième partie. Ukeboyoka. Bango, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, voilà.
La deuxième partie est là. Voilà. De ces considérations, cette démarche de dépôt de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible. Dans les jours à venir, Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. Voilà. On a la deuxième partie dans le groupe Yoki. Parce que tu es dans la Mibali, tu es dans la domestique, c'est la transition. Na maman mora ou na zana e awa parce que il semble qu'il y a deux femmes de ba déposer sur 24. Il y a outi na est boyo ka kombo na e ce qui a ko se présenter, mais là où j'ai la personne qui m'a envoyé m'a pas donné son nom. Bon. Je suis venu à ce jour du 8 octobre 2023 en provenance de la ville de Goma, province du Nord Kivu, meurtrie par la violence armée depuis près de trois décennies, pour déposer ma candidature sans preuve de paiement de frais de dépôt de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, malgré les conditions de l'article 104 de la loi électorale telle qu'est modifiée à ce jour. Monsieur Denis Kadima Kazad, il vous conviendra que le droit de se porter candidat à un suffrage de son choix est un droit extra-patrimonial, c'est-à-dire non évaluable en argent, et que l'article 104 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour et qui précise les pièces jointes à la déclaration de candidature à l'élection présidentielle au point 4, je cite, un précipice de paiement de frais de dépôt des candidatures non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du trésor public. Fin de citation. Cet article prive les citoyens de l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental. La République démocratique du Congo est une grande démocratie qui regroupe des citoyens privilégiés, des citoyens ici des classes moyennes et une grande majorité des citoyens congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans toutes ces catégories, nous retrouvons des citoyens tout à fait capables de participer à la gestion du pays au plan décisionnel. Permettez-moi, Excellence, de rappeler ici
que le moment de la caution, le montant de la caution, que chaque Congolais serait en mesure de qualifier d'exorbitant, exclut tout candidat compétent dépourvu de tels moyens financiers au processus électoral, qui se doit être inclusif dans une démocratie comme la nôtre. Cette caution exorbitante, consacrée par une loi électorale votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État en exercice, constitue une barrière financière non négligeable aux potentiels candidats démunis en dépit de projets cohérents de société. C'est pourquoi je sollicite Son Excellence Monsieur le Président de la CENI de prolonger jusqu'au 22 octobre 2023 la date de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle afin de permettre aux candidats désavantagés financièrement de réunir la somme intégrante de la caution pour pouvoir compétir et ainsi remplir leurs devoirs fondamentaux et leurs droits. Voilà. C'est son point de vue. Pour Naïe, c'est qu'il va reporter dépôt à ma candidature sur le 22 octobre pour nous permettre bato bazana misolo mingité bayako déposer candidature et ça peine ba candidat potentiel au bazali mais misolo ndé comment pour na ko déposer donc va mégué un peu repousser en moti de 22 donc na bato ba réclamer pour na repousser date il y a dépôt à candidature c'est cette dame nandeko ndeko lisanga bonganga yé pa tuna alobaki ba meke un peu kokusa pour que ba meka kokokisa misolo. Pardon, ndeko Jean-Claude, okonanga te, bongisa télévision et pas na yo, pa nanga son c'est bon. Donc Yves Masouken, Africano, Princesse Véronique, son, tension, ça va? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est son point de vue. Merci, Guilla. Ok, si on a ma pasteur, transition, et ça là qui une femme pour que tu aies ma pasteur. Affaire à ma pasteur, si on a la bino, moi, transition, moi, on a peur, et qu'on sait qui ça bino. Parce que ma pasteur, ben, a voué, puis ça dit, ça sera, oh, non, mais moutatin, dit, ben. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a dit, Dieu a l'obaki, Dieu a zongaki, na chelibino. Na ye, parce que nzambe moutatin, bien sûr, bango pe baloba nzambe moutatin, di bango, na chete mbete, seulement, le nzambe moutatin, da ramoutan, moutatara, na tango na ye, ngayi, Joseph Mba, malouta, na zoloba, na za, convaincu, le 23, comment yango na agenda na ye, le 23, so moni ngate comme président, ben ngayi, na ozwana kena ban bate yanga lisusu koyoka nzambe na zolo ban pona kongole nyoso zolo ndanga zoyo kangai soki pasteur abominga la niveau morose 2018 hein siko muto akoma président Félix Tshisekedi oh na 2018 nzamba abenga na mbongo to simba mbongo na ye parce que nzambe mutatini ngai bien sûr bango pe baloba nzambe mutatindi bango na chite mbete seulement le nzamba tinda ka mutu na mutazaka na tango na ye ngai Joseph Mba maluta na zolo bana za convaincu le 23 comment yango na agenda na ye le 23 so moni ngate comme président benga ngai na ozwana kena ban bate yanga lisusu koyoka nzambe na zolo bango pona kongole nyoso zolo ndanga zoyo kangai soki Congolais nyo sawalanda. Na 2018, mutabimi président Félix Tshisekedi. Tola libo e na 2023, passe angala si abimi. Passe angala si. Nini etindi yo? C'est Dieu qui l'a envoyé. Hey, diya mouna pasi mora. De tout puissant.
Congo à Christ. Christ à Congo. Je voudrais dire ceci. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature. Parce que c'est le temps des dieux. Tout simplement. Nous n'avons aucune prétention. Nous avons obéi à la voix des dieux. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons les églises, tout le monde est là-dedans. Pasteur Ngalasi Victor. Dans leurs différents partis politiques, nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandaté afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu, et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Voilà. On a fait un galaxy. Alors, Binza Mbepe a mandaté. Si quoi, ça passe à Souka, t'es tant que tu es photo zone, c'est la rabango toujours pasteur. Naïe, parce que Nzambe m'tatininga. Bien sûr. Bango pe balo ba Nzambe m'tatinde ba. Na tchete mbete. Seulement, le Nzambe tinda la moutan m'tazana tango naïe. Ngaï Joseph Mbama louta na Zoloba na za. Convaincu. Le 23. Comment yango na agenda naïe? Le 23. So moningate comme président Bengangaï. Na ozoana kena ban. Bate yanga le sous koyo kanzambe. Na Zoloba pour na Congolais nyos sa Zolanda nga zoyo kangaï. So. Voilà. Donc, ce qui va monier a commis présidente Babengaye Baye Bisaye. Si vous avez aussi dit ça, na pasteur Onazo, c'est la vidéo Yandeko Set Kikuni. Na bandeko Moussouso, na zuba vidéo na bangote, ce qui est landinga, ou tindelinga vidéo na yo. Et ça, andenga ki mote mama bete. Oh, biso to zwine, ou to diffuse. Une jolie femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, voilà. Magistrat suprême sautant. Pasteur Théodore, le professeur. Nazo c'est la paix à Noël et Chani, surtout na maman Miandabou. Na moi bana. Théodore, paix. Théodore, on dirait na Noël et Chani, on dirait bana bagou moko. Ya ba madame. Ma professeur, voilà le problème, ni n'a biso ma jeune fille. Je ne vous comprends pas. Nous ne sommes pas des femmes de votre génération. Nanenga ma bête et na lobika. C'est nos futurs présidents. Un peu de respect. Merci beaucoup. Public, magistrat suprême sortant et qui va sortir. Sa femme, s'il vous plaît. Nazo, c'est la vidéo de Noël Tchani. C'est sa femme, s'il vous plaît. Bolan. Public, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais, solennellement, il dit, la justice congolaise détruit la nation congolaise. Pendant que lui est président de la République, il nous dit ça. Il nous dit, voilà, écoutez, je suis magistrat suprême, d'accord, mais je n'y peux rien. La justice congolaise détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, donc, si la justice détruit la nation, c'est que le pays est détruit. Et le président sortant, heureusement qu'il sort, et qu'avec chacun sa carte de citoyen, sa carte d'électeur, nous allons le faire sortir, parce qu'il dit, je n'y peux rien, je suis magistrat suprême, mais le pays est détruit. Donc l'enjeu, c'est comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste. Il faut un homme de bien.
il faut un homme droit, il faut un homme capable, il faut un homme compétent. Mais je suis cet homme-là. Donc, je voudrais faire une passation pacifique avec le président sortant. Parce que le président nous a dit, s'adressant au magistrat, qui n'est pas capable d'arrêter la destruction, il dit, pendant que je suis président de la République, la justice détruit la nation congolaise. Vous vous rendez compte? Donc c'est toute la société qui est détruite. Alors donc ce qu'il nous faut, c'est, comme on dira en Kikongo, on a ma ponamiyai, betu kezola, muntu yan kaka, muntu yan boto. Toi t'as foutu un muntu wa waki. Tout qui banga muntu wa boloke. Tout qui ban muntu wa moyo. Moyo, muntu mwimpe. On dit, kuchinu kikale, muntu mwimpe. Pourquoi muntu, muntu wa moyo sawa. C'est ce qu'on cherche pour arrêter. Il faut tout élimisa. Destruction, il y a mboka, destruction, il y a ma frontière, nabiso. Destruction, il y a peuple. Destruction à liberté, destruction à bon moyen, nabiso. Et puisque le président sortant avoue qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction, nous sommes venus, nous sommes candidats cette année et nous demandons au peuple congolais qui nous a donné les moyens d'être candidats de nous donner encore les moyens d'être élus pour que, avec le président Tshisekedi, on fasse une autre passation pacifique. Bon, il nous a parlé de transparence, de crédibilité. Nous lui avons fait comprendre que nous avons observé déjà que l'on ne recevait pas les candidats de la même manière. Il n'y avait pas un traitement qui respecte l'égalité de tous. Ça, nous lui avons fait comprendre, ça. Certes, le candidat sortant est encore président de la République, mais il est venu ici comme candidat. Ben, on ne l'a pas fait attendre comme on nous a fait attendre. On ne l'a pas fait traîner. Donc, on lui accorde le traitement qui n'est pas celui d'un candidat. Donc, si on veut réaliser des élections transparentes, équitables, qu'on commence d'abord par traiter les candidats de la même manière. Et je voudrais saisir cette occasion. Boza Matumboli, ma pro-Congo, c'est notre futur président de la République. Alors bien qu'on bongi sa justice, boyo qui est. Ah, toi aussi dis ça, na discours, il y a l'homme du moment. Le Congo n'est pas un appareil pour réparer. Na moi Félix a un nom quoi. Félix a comme à la niveau soir dans la basse hier. Né dans mon et la raie. Quoi alors? Hein? Bon, tant que Moussou soupe, ne voit moi ça ça permet ni à Théodore, Azali, tant que Moussou sou voisine, à sa rappel à partie, mais le roi Azali est mort moi, moi si ne bâtier dans la compagnie. Et c'est que monsieur, Denis Kadima, tu peux être président futur et Yasseni. Et c'est n'est pas qu'il y a pour ça, là, Eza. Bakende voye bisabiso, bakende rape kotali sarabiso ke moto a ekoti kae, c'est sa femme. Et puis, bakon m'a peut représenter pena acte, y a mariage. Po, maramousou pezara, accompagné kato salara moua couple, net kala kati a fête hier, François Matan Mouzolo a sori na posi oye bisi. Princesse, Grateve, Alain Essanga, terre de discipline, n'est-ce pas? Mouta mousou parola la rabo e pou ala mouki, mouinda e pela. Miolo mouinde pela. Mouine Pela, Bachele Ono accompagné dans le cadre de ya mouvement. Obongi sera un mouvement en public. Théodore Ngoy, Bagounae, na Noël et Chani, l'homme ya des pères et des soi-disant mères, Bagouna Baro ya Goy. Parce que, ah, les gens qui sont bimbi karana moi si, c'est que moi si na yo. Est-ce que va déposer un acte de mariage? Parce que moi figurante et ça la rangope. Moi figurante. Aux arana moi masse, na moi et longumora bien, aux appels longue ba innocente, bimara la figurante et ça la rend moi genre. Moi genre, et bon. Si on va congolais, on va rester à moi genre.
Ah non, j'aime mon pays, quoi. Hein? Yves Masouken, hein? Autant mon ami Kaka, tout ça là, moi, Jean. Jean, moi, là, au bino, mon loba, Kawana. Et ça, Jean, au Félix, et tu sais qu'il y a mon loba. T'es à Jean, oh yo, Denis Mukwege, à l'obaki. Et ça, la question. Tout le monde est mon ma première dame d'Abisso, bien sûr, tu royapé. Na page na biso Facebook to chape ba photo ba première dame na biso to sali diaporama Jackie na bonsoir diaporama ya ba première dame na biso to chepe awa bolobini ni pona ba première dame. Nous allons finir avec le discours qui fait polémique d'un monsieur qui a échoué, qui n'arrive pas à quitter le pouvoir et qui ne veut pas quitter le pouvoir. Alors pour s'accrocher Akenara toujours na petit chemin. Oui, ça polémique. Balobe la kombo na e, yé sa la ke bien. C'est ça. Attends dans le mal, balobe la kombo na e kaka. C'est ça. Yamone zé le rôle à moi stratégie na e actuelle. Alors, Tolanda, bisonabino, discours na e, après ton bisonabino, lolenge nini, maman ou e koukende. Bolanda. Nos compatriotes à continuer nos combats. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue. Il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Vite la population à ma manière à le mener. Ce combat, notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en trois lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, il a développé, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre, cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qu'ils l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération
avec le partenaire chinois à Sakania, il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kasumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Avec, je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Eh bien, cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Et elle a déjà, elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître. C'est pour ça le R de la République, c'est, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles. Chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la Francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la Francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui, nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi, je le mettrai de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Mais évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H. C'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo. Avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain. Les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats. Au point où mes pères africains ont fini
par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire que tous les Congolais, de quelques conditions sociales qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Voilà. Bolandi discours. Il y a Félix et tu sais qu'est dit. Boyo ki alobi atongi ba hôpitaux. Atongi ango wapi, nga nana ba adresse. Botou na nego Félix et tu sais qu'est dit na Augustin Kabuya. Moi, je n'ai pas d'adresse. Il y a Félix et tu sais qu'est dit atongi ba hôpitaux. Si kon nga eloko e komanga, na yokin de gobo pa komanta ango, eza attitude ya ba ati lukwebo. Ba ati lukwebo avali, on dirait kouta ebi Félix et tu sais qu'est dit, tenenga te elemeli. Donc était les médias bâti et zola qui s'est dit moi on bala zoloba donc na yebi même pas ni na wo commenter avançons si quoi ah na na tia bino tozongi pe na va ya Kabila tango a déposer ka Kabila lobaka nini boyo il est le candidat du peuple. Joseph Kabila a déposé ce dimanche 11 septembre son dossier de candidature pour la présidentielle de novembre prochain. Un dimanche plein pour les chefs de l'État et qui commence par une messe dite à l'église du centenaire protestant. Le président communie avec son peuple, c'est une foule qui scande des chants de victoire. Et l'accompagne de l'église centenaire jusqu'au BRTC de la CENI à la Gombe. Dépôt des dossiers de candidature, un devoir civique. Il est le candidat de la majorité. Dehors, c'est une foule en liesse qui attend son bâtisseur. Il ne s'adresse pas à la presse. Pour le camp de la majorité, la victoire est certaine. Sans aucun doute, parce que je ne vois pas de concurrence à sa taille. Nous avons tenu à l'accompagner pour prouver aux yeux de l'opinion que réellement, nous le soutenons, pas seulement sur papier, mais aussi physiquement, moralement et dans nos esprits. Donc le candidat de la nouvelle alliance de la majorité, c'est Joseph Kabila Kabange. Et déjà dans la province du Maniema, je crois qu'on est en ordre de bataille pour pouvoir obtenir un suffrage très confortable pour le président de la République. C'est dimanche 11 septembre 2011. Pour pouvoir obtenir un suffrage très confortable pour le président de la République. C'est dimanche 11 septembre 2011, le président Joseph Kabila, candidat à président de la République pour sa propre réélection, vient de déposer sa candidature, accompagné par le parti membre de la majorité présidentielle. Depuis le BRTC, ici à la Gombe Kinshasa, Mathieu Kamango, Télé 50. Enfin, on a vu Mathieu Kamango, à Koufa déjà, paix à son âme. Et nzamba batela e azali ko sa mosala na e malamo et lelo azali lisusu na biso te mais nedro baba var etikala ya ba evre ya mosala na e bon moni moto na ngela Alexandre azaki bati kuna bati azaki quand même vivant bon mona bati alobi ata mais awa bati baba ngoni oso babo interview Kabila n'a pas parlé alobi ezalaki dépôt. Et na sorti na ye moto a lobi ezali monsieur Raymond Tshibanda. Bomoni Kabila loba. Mais asala 18 ans. Siko moto asala deuxième mandat ye moko a loba ki asala mandat na ye assure. Peuple a lingie 9 minutes soki 13 minutes. Ya miti boso asini. Na lingana na Alexa Bilo ba discours
il y a un candidat président de la République. Au présidentiel, il y a 2023, il y a tension amour et mati, tension amour et kiti. Tension amour et mati, tension amour et kiti. Il y a pédale, il y a nan, il y a vélo. Tozo ça va raboué. Tozo e batte. Nan ya roti kala. Est-ce que Fayulu? Est-ce que Mukwege? Est-ce que Tsesanga? Est-ce que Muzitu? Est-ce que Bibi Kapinga? Voilà, c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. Bon commenter na kati ya émission, roti ga ba commentaire na bino. Misusu balobi nzambe moto atindi bango. Misusu balobi ba yo nom ya peuple. Félix Tshisekedi alobi ayo ko sala remontada. Na ebite ya nini kaka yenda yebi po mboka ngo ese ekufa. Remontada ebanda kote nini eske sa bongisi mboko ekufa ki po sala ziko remontada? Question mark. Docteur Mukwege boyokiye. Pasteur Victor boyokiye na mupanzi pe mer kaka ndenge ezalaka. Pasteur Nani ngalasi boyokiye nani lisusu batonyo so na che boyoki bango. Alors chacun de nous a ko commenter oyo ezali candidat na ba discours nyo so boyoki na ba lobby po avant to kende na ba discours na bango ya meeting boyoki yoki bango deja awa oyo neza ranano ya kokanga po Félix a osele vous ko ya 60 minutes po ya oyo toyoki me et à Romé Marissa, ce qu'on a 60 minutes, à Pessibis, on a bas Congo, on a dit peut-être qu'on a combien à Kotambola, pour dans Goma, Balobia, Chama, Koloté, Togota, la Tozota, la Tozo Jimele. Nalini Bino Mingi, je vous laisse à travers cette chanson. On se retrouve donc demain. Bonne soirée à vous tous. Yango Nini, Naba, future première dame. Ezara Motou, Ezara. Une chanson non repère sa première dame Nabiso. Je n'ai pas de problème personnel na ba première dame Nabiso baza basi kitoko mais décalage moi écart kaka hein de bande ko tia biso na moi passion nan de ko Noël Chani nan de ko professeur Théodore Pasteur. Donc c'est un peu ça. Donc rien de spécial de ko nga ko sala zouate nga pe na au sala pe zoua ba première dame Nabiso. Ni lobby na lingi bino mingi. Tango na koyo kanze mboyo. Boko luka bo. Tande ko moko alobe na biso mama bibi bo chape. Idengo. Awi. So cha idengo lelo. Idengo, idengo. Voilà. So cha idengo lelo. Moïse to che mingi. Idengo. Politicien escro. Walibaka kura zenu walai. Na politiki ya tuti tuti ngambo. Shado mangwengwe mesele kura uwele kura. Amani iko wapi rescape de masakre kizerbo. Iko wapi ile plante kontre nyonyi wanakawa kirotongo. Carly na maplake zenu mwache kunyanyasa raia. Ongea na wale walio kuweka ili uwe gavana. Mi mtoto beni naishi. Oh, qu'est-ce que je fais là? Désolé, 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 désolé. Idengo, 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 idengo. Oh là là. Arrière Tokati, s'il vous plaît. Vous excusez Bisson. Amani iko wapi rescape de massacre kizerbo. Iko wapi ile plante contre nyonyi wanakawa kirotongo. Carly na maplake zenu mwache kunyanyasa raia. Ongea na wale walio kuweka ili uwe gavana. Mi mtoto beni naishi wasiwasi nimezo ya mateso. Politicien escro. Basolda bazo kufa kaka puno basketche na bido. Politicien escro. Raia iyo usiseme wamekuwa mbolewa. Oh najua hii itanifunga. Politicien escro. Sababu itakwaza lakini haitaniua. Politicien escro.
bali mtosha bwana kawa ili asiweke maneno wazi wazi baka mmezesha bui ili abaki tu kama bubu bubu Sekedi, makete de president makete Kako kole yako iko wapi mbona nyumba zetu ndo zimekuwa defesi Politicien, politicien escrow Politicien, politicien escrow Bana vimba vimba, bana vimba vimba, bana vimba 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 Bana vimba vimba, bana vimba vimba na kuvayaje Munatoa oda Wapige raia masasi Wakienda fukuza monisco Munatuma polisi na solda Wawapige pige, pige pige Masasi pige pige, pige pige Wawapige pige, pige masasi Wawapige pige, pige pige Politicien congolais Sont des satanistes Serge Matondo, bienvenue, welcome. Oh, tu es en retard, je suis désolée. Biso to sili sipo na lelo, to kutani lobby, na ba deko nyonso, balinga rabiso, ndeko jakina, merci beaucoup, Africa, nobino nyonso. Alain Essanga, directeur des disciplines, on se retrouve donc demain pour un nouveau numéro, entre temps total à l'actualité, na biso, yalelo et koleka. Ndenge nini, pour que to zonga, mokolo ya lobby. Nzamba batela biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À demain. Ma mission TV, le miroir du monde.